Hey yo les gars, c'est Stéphanois, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de la Obscure Clan pour une nouvelle vidéo, une best class setup à la jouer K30, les gars, qui est pour moi la meilleure arme de Black Ops 3. Et oui, la meilleure arme de Black Ops 3 depuis quelques temps. Elle est beaucoup plus haute que la VMP ou la Manowar. Donc je vais tout de suite vous présenter le gameplay et après la classe, les gars. Donc pour le gameplay, les gars, c'est une triple nucléaire. Donc quoi de mieux que vous présenter une triple nucléaire pour une best class setup? Donc les gars, on ne se fout pas de votre gueule, les gars. C'est vraiment une classe qui envoie du très très lourd. Une triple nucléaire à 90 gun streak, les potos. Donc j'ai coupé les premières invincibles et la nucléaire, car voilà, ils étaient que 3 en face. Et je voulais pas vous proposer une vidéo de 15 minutes, les gars, avec 3 mecs en face et un commentary blabla avec de la musique. Ça allait vraiment pas être intéressant. Donc je préférais vous couper les, il me semble, les 8 premières invincibles. Donc ce n'est pas très grave, hein. Le gameplay est en intégralité ici, les gars. Donc en plus, les gars, ce qui est beau que ce gameplay, c'est que ce n'est pas un gameplay ordinaire qu'on voit souvent. Donc de la VMP avec du purificateur dans Nuketone ou même de la faux. Non, les gars, là, c'est de la fringe. Et en plus, c'est de la tempête avec une Ajuica qu'on la voit quand même souvent. Mais ça fait quand même plaisir de la voir et ne pas voir de la Manowar ou de la VMP. Donc un gameplay qui est super beau. Donc n'hésitez pas à mettre un like, les gars, pour ce gameplay. Ça fait toujours plaisir. Donc je suis, les gars, le réalisateur de ce gameplay et aussi de ce commentary. Je pense que vous l'avez compris depuis un petit moment. Donc on va tout de suite préparer, les gars. Donc si vous voulez faire des gameplays de ce genre et que vous n'avez vraiment pas vraiment le niveau, donc déjà prenez la classe que je viens de vous donner, les gars, elle est vraiment super bien. On a tout, les gars, ben les atouts, je ne peux pas vraiment vous conseiller, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir vos déplacements et à quoi vous avez besoin. Et après pour le spawn, je peux peut-être vous conseiller, comme vous l'avez vu dans la première manche, j'étais plutôt vers la grange car c'est un spawn qui est assez tranquille, sans trop risque et tout. Et pour le deuxième spawn, les gars, je vais vous dire c'est lequel. Il faut vraiment aller au spawn boule car c'est vraiment le meilleur sur As. C'est pas le spawn où il y a le plus de monde, mais c'est le plus sécurisé pour faire des doubles, des triples ou même des quads nucléaires. Donc vraiment, si vous voulez tenter vos premiers gameplays ou même si vous, voilà, vous voulez encore tenter des gameplays, allez vraiment à ce spawn, les gars. Il est vraiment super bien. Donc aussi, je voulais vous dire que vous verrez qu'il y a un mec, les gars, qui m'a triardé tout le long. Il était à peu près niveau 300, donc il n'était pas nul. Il devait avoir 1,80 de ratio. Et c'est ça aussi le petit truc qui est un petit peu qui t'emmerde sur Black Ops 3. Car voilà, tu trouves un accueil de 5 mecs avec des mecs de 0,30, 0,50 de ratio. Tu te dis, c'est bon, je vais caler un gameplay. Et tu vois que le 6ème a un mec comme ça, niveau 300 avec 1,80 de ratio. Vous verrez que tout le long de la game, il m'a tryhard. Et qu'à la fin, bah, il a enfin réussi à me tuer. Et c'est ça qui énerve un petit peu sur Black Ops 3. C'est que tu vas les défoncer, tu vas leur mettre à 90 gold streak et ils vont quand même réussir à te tuer. Puis ça, c'est les mecs qui vont t'envoyer encore un message pour te dire que t'es nul ou alors que tu campes ou que tu spawn kill. Donc vous verrez aussi que souvent quand t'es en gold streak, tu penses trop que tu vas tout le temps être concentré et voilà, tu vas finir ton gold streak à la fin de la game. Mais c'est vraiment pas facile. Moi aussi, je me mets tout le temps ça en tête, je me dis maintenant, quand j'arrive en gun streak, je me concentre. Et certes, les gars, vos 20 premières invincibles, on arrive à se concentrer. Mais une fois, les gars, qu'on a fait 90 médailles invincibles, on ne peut plus se concentrer. Vraiment, t'étais obligé d'avoir un petit peu confiance. Confiance en toi pour ce gameplay, vraiment. Donc, les gars, il dure que 5 minutes le gameplay parce que j'ai pas mal coupé. Donc, je vais peut-être pas mettre le fond en musique. Je verrai si vraiment j'ai un petit peu vraiment tout dit sur ce gameplay. Car il n'y a pas vraiment pas beaucoup de choses à dire, hein, les gars. C'est une best class setup. Donc, on vous a donné la classe. Voilà, sur une best class setup, on va pas faire une vidéo très très longue. Hein, à part vous donner la classe et vous montrer le gameplay, vous présenter. On peut pas faire un truc, les gars, de super super longtemps. Donc, je pense que je vais vous mettre l'intégralité du gameplay à la fin. En musique plutôt. Et les gars, si vous voulez vraiment avoir le gameplay en entier avec les dernières, la nucléaire et les premières invincibles, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne qui est en description. Allez faire un petit tour, s'abonner, activer la notification, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi, les gars, à mettre un like et à partager sur Twitter la vidéo de l'Obscure pour ce qui nous est arrivé avec nos 100 vidéos de supprimer. Voilà, c'est assez triste, surtout que je viens d'apprendre qu'on ne va même pas pouvoir sûrement les récupérer. Donc voilà, c'est vraiment assez triste pour le travail que nous avions fait. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like pour monter le moral, les gars, si on pourrait atteindre au moins les 500 likes pour ce qui nous est arrivé. Je sais que c'est énorme et que je pense pas qu'on va les atteindre, mais ça peut toujours faire plaisir, hein. Voilà, on a fait quand même des centaines d'heures et tout de vidéos. Bref, les gars, c'était Stéphanois sur la Obscure Clan. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et dites-moi si ma best class setup vous a beaucoup aidé. Ça ferait super plaisir de savoir que vous avez réussi à rentrer des bons gameplays grâce à cette classe. Vous verrez que je suis mort très bêtement à la fin, les gars. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes
sommes en live ce soir. Allez, ciao, bisous.